Hello. Ça va, Oramni? Ça va, les patounes? Je m'entends bien. Va falloir que je monte le son du jeu puisque le jeu est important. Bon bah du coup on va tester ce petit jeu surprise. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le gameplay est constamment soumis au rythme de la musique. Il est donc plus simple et agréable de jouer avec une latence faible. Si vous sentez que les commandes répondent avec un temps de retard, essayez d'activer le mode de jeu de votre écran. Mode jeu de votre écran et utilisez les sorties vidéo, bon, bref. Pédia, t'as eu 30 minutes de retard donc j'ai dû attendre. Bah ça arrive hein, tu sais. Les médecins. Ils sont jamais à l'heure. Il faut s'y faire. Il faut se dire que. Ils sont jamais à l'heure. C'est tout. Un streamer est destiné au genre s'étant publié des vidéos de gameplay sur internet. Le jeu compte des chansons sous licence qui, si elles sont présentes dans les vidéos que vous publiez, entraîneront très probablement leur suppression. Putain, des réclamations de la part de tiers ou de coupures de son. Vous activez ce mode? Tous les morceaux sous licence sont remplacés par des chansons originales composées spécialement pour les créateurs de contenu souhaitant diffuser leur partie de FR Rush sur Internet. Nous pouvons garantir. Ah ouais? C'est bien ça. Continuez. Mode streamer, oui. C'est bien. C'est toujours. Ah, oh, parfois c'est plus, hein. C'est plus. C'est moins. C'est plus. Mais c'est Bethesda, je savais pas que c'était Bethesda. J'aime bien le design. La DA. Pédiatre, c'est quoi? C'est c'est pour... c'est un... C'est genre... Si. Je vais ici un emplacement pour se regarder. Bah l'emplacement vide tiens. Vous avez le sens du rythme mais vous n'êtes pas trop à l'aise avec les jeux d'action. Tant que vous restez dans le tempo, ok. Ok. Bon on va essayer normal. Demande encore le masque. Alors qu'elle fait quasi que des contrôles. C'est genre médecin, ok. Je pense que c'était psy hein, un peu d'autre. L'animation est super. C'est carrément doublé en FR. C'est trop bien. Ah, j'adore le doubleur. C'est fini. Oui. Peu importe. Voici votre accès au projet Armstrong. Et bienvenue sur le campus Vandelay. Yes. C'est la voix de Marty dans Ozark. Tu vas manger? Bonne app. Technologie et corps humain en parfaite symbiose. Ensemble, améliorons la vie. Et maintenant, le président de Vandelay Technologies, Kyle Vandelay.
C'est un jour historique. Vous, les meilleurs des meilleurs, allez devenir encore meilleurs grâce à nos prothèses robotiques. Vandelay a toujours voulu aider ceux dans le besoin. Vous tous, très chers candidats, allez montrer au monde combien vous pouvez être spéciaux. Allez, filez! Préparez-vous à votre nouvelle vie! Je suis avec lui. Pas spécial. Je crois qu'on vient de m'appeler. Tu m'avais promis le haut du panier, Mimosa. La production voulait des sujets, Kane. On a trouvé des sujets. Tu me mets ça sur le dos ! Dis plutôt à l'autre Zozo de Zanzo d'aller se faire... Il nous faut des cobayes influents. Et vous m'avez dégoté. Des ratés ! Ça va marcher. Ça vaut mieux. Pas de fausses notes. Et pas d'anomalies. Ce truc. Bienvenue. Veuillez rejoindre le checkpoint. Bon, ok, le checkpoint. C'est par où? Bon, tranquille, ça doit être la procédure. Vous venez admirer la pile parfaite que je viens de faire. Oh, vous cherchez la sortie? Dans ce cas, demi-tour, l'ami, c'est derrière. Tellement bien que ce soit doublé et sous-titré, quoi. C'est incroyable. On veut plus de jeux comme ça. Oups, mon nettoyage n'a pas eu le résultat escompté. Votre saut, en revanche, bien joué. Elle a laissé des traces, cette opération. C'est super beau. On sent déjà le rythme. Ah, ça va mieux. Ça aide pour ma gueule. On t'avait dit de ne pas emporter plus de 10. Regarde ce que tu as fait. Là, on va se prendre un savon. C'était un honneur de bosser avec vous, les gars. Putain, les doubleurs en plus sont super connus. J'ai les mains glissantes. J'ai échoué, désolé.
Je vais me faire virer. Ou pire encore, Rika. Veuillez récupérer vos affaires. Vos affaires. J'allais enlever ça. Putain, c'est super, super beau pour l'instant, j'adore. Je demande pas pourquoi il a un bras mécanique. Ah non, parce qu'il l'a demandé. Ok gamin, bras robotique MX Dust 75, accessoire de gestion des déchets. Quoi? Accessoire de gestion des déchets? Ah, objet non identifié, possible anomalie. Arrêtez-le. C'est une arme? Je crois pas, les gars. Il a l'air de résister. Hein? Quoi? C'est une super idée. Même ça, c'était en rythme. C'est trop drôle. Pour l'instant, je vois pas si je suis dans le rythme ou pas. Enfin, si, je le vois, mais okay. Ça a pas l'air. C'est quoi ce délire? Bon, si je comprends bien, Primo. J'ai un lecteur dans le torse. Je suis pas sûr que ce soit vraiment normal. Deuxio, ça alimente mon nouveau bras. Tertio, ça met tout en rythme avec la musique. Et ça sonne n'importe comment. Mais quand la musique démarre, c'est comme si... si j'étais sur une scène. Avec la musique. Vous voulez le voir en action? Commençons par une attaque rapide. Un coup d'un battement pour lier les combos. Allez-y, essayez! Essayez maintenant un combo en rythme et vous verrez ce que donne un timing parfait. On va dire qu'on... Ah mais je crois que c'était au-dessus. Essayons, d'accord? Toujours en rythme. Mais si vous appuyez pile sur le tempo, vous aurez des bonus en combat. Vous semblez prêt pour la suite. C'est parti. Bien, on va passer aux choses sérieuses. L'attaque lente. Celle-ci est en deux battements. Tendez l'oreille pour trouver le bon tempo. J'ai pigé.
et maintenant un combo lent en rythme. C'est le genre de timing qu'on vise. Insister. Ok, pas mal pour un début. Oui, que bien. Wouh, yeah! Et la foule est en délire. Chai, 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 chai. Putain, l'animation est vraiment folle, hein. Merci, merci. C'est ce gars-là. Tu veux un autographe? T'auras un autographe. Yeah! Merci, merci. Vous avez vu le Vaurien qui a fait ça? C'est l'anomalie. Quoi? Non, c'est juste que... Bon, si vous insistez... Ah, c'est stylé quand même. Tu te fais ton propre rythme, quoi. L'environnement et les jauges bougent aussi en rythme. Vous pouvez donc vous en servir comme repère. Restez cool, mais sentez le rythme. Le timing est la clé. Guettez cette icône et écoutez le public vous encourager lorsque vous attaquez sur le tempo. Si vous perdez le rythme et avez besoin d'une aide visuelle, appuyez sur ce bouton pour l'afficher en permanence. Pas mal ça, au début. Je vais peut-être pas traîner ici. Attaque ! Ici Rekka, la big boss de la prod. Je rêve que j'ai entendu dire qu'une anomalie se baladait chez moi. Si l'un de vous va se morfler, Rekka vous demande de l'écrire. On peut pas courir. Pas très vendeur, mais... Je peux analyser votre bien-être et vous donner satisfaction. Laissez-moi vous... Non merci. Vous possédez des pouvoirs musicaux robotiques. Souhaitez-vous en savoir plus sur vos compétences dysfonctionnelles? Il semblerait que votre problème soit l'attaque des ennemis en rythme. De là à dire que c'est un problème... Attaquer les ennemis en rythme permet d'infliger plus de dégâts. Vous devriez en profiter. Certaines personnes peuvent avoir du mal à se caler sur le tempo. Alors, voici mes conseils. Vos attaques frappent toujours sur le tempo. Et comme il est préférable d'attaquer en rythme, appuyez à nouveau sur le bouton quand votre coup frappe pour un timing parfait. Et si vous avez encore besoin d'aide, je crois déceler une aide rythmique. Mais l'exemple vaut bien un discours. Voulez-vous essayer sur moi? Veux que je te frappe? Vous semblez adorer ça. Je vous en prie, essayez vos attaques légères et lentes sur moi. Passons maintenant à l'attaque lente. Pas tout à fait parfait, mais je sens que vous voulez réessayer. J'étais sûr que vous en étiez capable. Incroyable, ces frigos! Vous me connaissez bien. Je sais tout. À très bientôt. Enfin, je l'espère. Ok. Ça, c'était... Petit Mazo. C'est Frigo Mazo.
C'est l'anomalie. Il semble suspect. Possible que... Il se l'échange. Hey, c'est moi que vous cherchez. Attrapez-le. Essaie d'attraper ça. C'est trop drôle de faire son propre morceau, quoi, en fait. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Hey, tout va bien ? Merci pour le coup de main. Besoin d'aide ? Ça, c'est pratique. J'aimerais bien sortir de là ! Ouais, ça serait bien dans mes cordes si tu voulais. Hey, c'est marrant de crier, mais tu veux pas accélérer ? C'est bon. J'ai piraté la console. Frappe le levier et monte ici. Pas ouf le projet Armstrong. J'espérais un bras robotique qui déchire et je me retrouve avec une cible dans le dos. Trop bien de pouvoir améliorer son équipement. Ça, je vais adorer ça. Je vous ai un peu observé. Vous semblez particulièrement doué pour les skis. Oui, c'est dans mes cordes. Qu'est-ce que dire ? La liste de vos données personnelles révèle que votre esquive est très polyvalente. Esquiver en rythme permet d'en enchaîner jusqu'à 3. Et même d'attirer des objets lointains. Comment t'esquives ? Esquiver en l'air est également utile pour atteindre des endroits difficiles d'accès. Mais je sais ce que vous pensez. Ah, c'est X. Vous pouvez enchaîner une attaque rapide ou lente juste après l'esquive. Mais bien sûr que si. Pensez bien à appuyer sur le bouton d'attaque juste après une esquive. Qu'en dites-vous ? Essayez donc sur moi. Mais c'est quoi l'esquive ? Désolé d'avance alors. Vos attaques me comblent de joie. Ah, c'est RB. Il reste encore une technique dans votre arsenal. C'était incorrect. Je préfère vous prévenir. Merveilleux. Voici une boisson rafraîchissante. J'espère que ça vous a... Le sauveur de chat, t'as dit que tu m'aiderais. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. Bien, tu as réussi. En bas. Bon, je vais faire... Ah, c'est elle. Je t'ai vu contre les gardes. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entraider. Je croyais... Tout le monde te cherche. Mais je peux arranger ça. Stop. Attends, minute. C'était toi qui me parlais ? T'es un chat ? Non, ça, c'est 808. C'est une chatte. C'est moi qui l'ai construite. Enfin bref, comme je disais... Tu sais, j'étais déjà pas chaud pour ce bras robotique musical, mais là, je crois que je vais passer mon tour. Écoute, Vandley prépare un seul coup et je peux t'aider. Merci, mais non merci. Ne réponds plus. Qu'est-ce que t'as fait ? Attends, t'as senti toi aussi ? Ce battement ? Je crois qu'on tient un truc là. Qui revoilà ? Et en bonne compagnie. Grâce à 808, Chai a une nouvelle corde à sa gratte. Le coup en rythme. C'est une attaque bonus sur le tempo pour finir un combo.
Surveillez le cercle de timing sur le dernier coup et lancez une attaque pour la scène. Assez parlé. Essayons ça. Salut Julia. Cercles se chevauchent. Essayez un coup en rythme pour terminer un combo lent. À vous de jouer. Ça va et toi? Je découvre le jeu. Ah. C'est à l'air trop cool le jeu. T'as entendu parler ou pas? Bon, j'ai un peu changé d'avis. Je vais avoir besoin de ta boule de poil. Ça, il a l'air cool. Pourquoi? Ouais. Hey, tu voulais m'aider, non? T'inquiète, c'est juste le temps de sortir d'ici. Oh, t'avises pas de te carapater avec elle. Alors, très chouette. Pas du tout. Il est sorti que très récemment. Genre il y a deux jours, je crois. Une pièce brisée, un dispositif Vandelay permettant d'augmenter la santé maximale. Ok. Vous avez une nouvelle amie. J'espère qu'elle ne va pas me remplacer. Ah bon? On est... Vous pouvez réaliser un cours en rythme à présent. Waouh! Alors tu es vraiment capable de lire mes pensées? Réussir un cours en rythme semble libérer une immense puissance. Si vous avez l'oreille aiguisée, attaquez uniquement en écoutant le compte à rebours. Mais vous pouvez aussi attendre que les cercles de timing se chevauchent. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le bouton d'attaque sur chaque battement avant l'attaque pour réussir. Je vous conseille de l'utiliser. Je serai votre mannequin. Je prends pas tout. Combo rapide. Celui-là, vous le connaissez. Ah oui, c'est la redite de tout à l'heure. Maintenant, essayons le combo lent à nouveau. Éblouissez-moi. Ah, attends, je recommence. Quelle énergie! C'est stimulant! Tenez, profitez d'une bonne boisson fraîche. Je serai là si vous avez une bonne boisson fraîche. Encore ? Stylé. Bon, je pense que c'est dégagé. On est peut-être pas si mal finalement. Ok,
Fais-moi penser à te redemander comment t'as fait ça. Si je savais. T'es super intelligent comme système de jeu. Où qu'on soit. Un peu comme Cadence Firule. Tu le vois ? Avec tous ces bâtiments, non, pas vraiment. C'est les yeux qu'on aurait dû te bricoler. C'est écrit dessus. Ah ouais, je vois. Le problème de cette sortie, c'est qu'ils doivent tous t'attendre. Sortie ? N'en dis pas plus. On fonce. Vos jauges de rythme augmentent lorsque vous effectuez des combos, des coups en rythme et des attaques sur le tempo. Un rang lui est attribué, de D, pas ouf, à S, excellent. Plus votre rang est élevé, plus votre multiplicateur de score le sera aussi. Vos performances en combat influent directement sur les bonus qui déterminent vos rangs finales. Votre rang final, score. Plus le score est élevé, plus le rang est élevé. Timing bien, appuyez sur le bouton sur le tempo pour obtenir un meilleur rang. Et le temps, éliminer les ennemis rapidement pour améliorer votre rang. Ok. Tout est... Tu comptes sur ton arrogance pour t'enfuir ? Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. C'est faux. C'est le pire conseil que j'ai entendu. T'es recherché. Il nous faut un plan. Justement, je comptais foncer dans le tas. Et puis t'as des zones un peu où... C'est exactement l'inverse d'un plan. Où t'explores, c'est bien. J'adore. On est d'accord qu'on a vu un truc en haut, là. Je pense qu'on pourrait y aller plus tard. À tous employés, ici Reka, c'est important, ça mérite des majuscules. Calais vient de nous rendre une petite visite. Reka sait que vous sortez les boulons pour tout tourne nickel ici, mais j'ai besoin que vous frottiez et récurez toute l'usine pour que ça brille lors de la journée à Armstrong, et que quelqu'un vérifie que les scanners marchent correctement. Vous entendez ça? C'est le cri de la foule quand elle reçoit nos milliers d'unités Armstrong. Et quand Reka chopera son gros bonus à la fin de l'année, Reka pensera à vous avant de s'offrir des vacances bien méritées. Quart de cœur. Je te le dis, c'était qu'elle, en chair et en os. Tu sais ce que c'est au moins la chair ? Tu joues un peu toi, Julien, en ce moment ? Ça compte comme si je l'avais rencontré, non ? Pas du tout. Bon, ça suffit. On a un escalier à réparer. Bon, ça suffit, hein. C'est où ? Bien, bonjour cher ami. Salut. Oh, vous ne m'avez pas vu. Peut-être mon panneau n'était-il pas assez grand ? Ouais, voilà, c'est ça. Je savais que vous étiez trop gentil pour m'ignorer. J'ai fait quelques analyses et il semblerait que le monde entier bouge en fonction de vos super pouvoirs musicaux. C'est vrai, j'ai remarqué ça, moi aussi. Pour trouver le tempo, il suffit de regarder autour de soi. Même l'environnement réagit au tempo. Je crois que c'est ce que les jeunes appellent être concentré. Peut-être. En tout cas, c'est cool. J'adore. Pour l'instant, tout est bon.
penser à autre chose. Ça doit être très important. Puisque tout bouge en rythme, les robots de Vandelay aussi. D'après vos données enregistrées, toutes les unités de sécurité de Vandelay bougent et agissent sur le même tempo que vous. Si vous restez très attentif, vous saurez exactement quand ils attaquent. Sur le tempo. Sentez le tempo pour attaquer et pour esquiver. Cela simplifie les choses, non ? Putain, ouais, carrément, mais bon... À mon avis, il faut de l'entraînement. Tu vas ranger, vas-y. Oh, vous avez l'air fatigué. Non, je crois que ça va. Parfois, il faut faire une petite pause. Je parle, bien sûr, du combo pause. Attendez un battement après une attaque rapide. Puis, lancez-en une autre pour créer un nouveau combo. Vous saurez quand appuyer lorsque vous entendrez un clap. Ce combo permet même de vous élever en l'air, ainsi que vos ennemis. Ah, sympa. Mais ça va demander de l'entraînement. J'espérais que vous diriez ça. Épatez-moi. Ouais. C'est difficile, mais n'abandonne pas. C'est parti. Ah ouais, c'est ok. C'est moi qui régale. Ça va être en scrolling horizontal ? Ce serait drôle. C'est drôle. J'ai trouvé un raccourci. Ouais. Ah, trop bien. Waouh. Ça, c'est du campus. On dirait une ville. C'est ça quand on domine le marché de la tech. Vandelay adore se pavaner. Mais moi, je cherche ce qu'il cache. Ah, t'aimes les secrets alors? Et si tu me donnais ton nom? Si tu demandes seulement maintenant, c'est que tu peux encore attendre. Au fait, moi, c'est Chai. Chai. Putain, je suis con. Ce torchon sur la tête. C'est pas un torchon, c'est mon... C'est mon peignoir. Enfin, mon... Sorte de peignoir. C'est une capuche... le torchon.
Production de batterie. Bonne commande de R&D. Sanzo veut que l'unité PGR-0101 numéro 31340 au labo soit mise en vente aujourd'hui, alors qu'il l'a créée hier. Nom du produit, extension de batterie pour les unités d'alimentation du projet Armstrong. La batterie est conçue pour devenir obsolète 6 mois après production, dans la minute suivant l'expiration de la garantie. Sanzo a créé cette expansion pour arranger ça. Je vois pas bien où il veut en venir. Tout ce que fait le produit, c'est surcharger l'alimentation pour qu'elle suce plus vite. Faites comme si de rien n'était, évidemment. Pour info, ce truc, c'est un vrai paratonnerre. Mais Sanzo ne voulait ni le protéger, ni l'isoler, car ça fait moche. Conseil, à manipuler avec des gants en caoutchouc. Il n'y a aucun rapport avec ce que tu viens de me dire, mais très bien. Je suis pas trop fan de l'homme pâle, moi. Production de batterie activée. Veuillez ne pas toucher les lasers rouges, évidemment. Comme ce que tu disais d'ailleurs. Calmer. Hey, stylé, c'est quoi? Un petit mobile, ok. Au moins, t'es pas mort? Toujours ça? D'ailleurs, j'aime beaucoup dire d'ailleurs. Oh, on a tous des tics, hein. Je pète le feu. D'après les données de 808, ton bras est chargé d'énergie. Et si tu libérais tout ça? Il peut emmagasiner de l'énergie dans la jauge de réverb pour déchaîner des attaques spéciales. Une fois la jauge suffisamment remplie, celle-ci brille. Sur L et R en même temps, ok. Pitié, pas d'explosion. Économiser, c'est vivre éternellement dans le regret de ne pas avoir dépensé, c'est ça? Non mais, je comprends, hein, moi aussi ils sont complètement random, hein. Je peux aimer des trucs foncièrement différents, et il n'y a aucun mal à ça d'ailleurs, c'est bien de pas être braqué sur un style. Tu vois, genre ça, cette musique, j'écouterai pas de base, mais là je kiffe.
mal du tout. Ah oui, Nirvana. Nirvana, t'aimes bien ? Nirvana, c'est super sympa. Mais pareil, j'écoute pas, tu vois. Mais j'aime beaucoup. C'est le pro gamer. Alors, j'irai pas jusque-là, mais... Sauf que j'ai pas encore compris, parce que je tape en rythme, mais les combos, ils vont moins vite ou plus vite que moi. Et ça va. Enfin, je sais pas, c'est pas hyper, hyper clair. Smell like Teen Spirit. Ça. Voilà, ouais, bah forcément. C'est une des plus connues. Je comprends pas ce qu'il faut faire, putain. Rendu comme indestructible alors que c'est vraiment pas le cas. Composé de 5 pièces. Donc, putain, j'évite en rythme. Pas obligé d'éviter en rythme, mais... Ah, plus de courant. Ça peut être le générateur. Tu peux le réparer? On a des outils? Des outils? J'ai une meilleure idée. Je vais trop tôt. Suffisait de demander. Ouh, ça m'a avancé. Quand est-ce que je vais pouvoir améliorer mes équipements ?
Est-ce que je vais mettre 40 balles dans un vinyle alors que j'ai pas de platine et c'est perdu d'avance pour en acheter une? Tu vas mettre quoi, le vinyle de perdu d'avance? Oui. Bah ça m'étonne pas, tu sais. Moi, si j'avais pas de platine, j'aurais quand même acheté des vinyles. Hein. Rappel, les congés maladie doivent être... C'est un bel objet. Et puis tu pourras acheter une platine vinyle plus tard pour demander une anniversaire Noël. Après, le chant des sirènes me force à en acheter une. T'es vraiment fan de Relsan? Les ennemis résistants ignorent vos attaques tant que vous n'avez pas brisé leur jauge d'étourdissement. Une fois celle-ci brisée, vous pouvez les repousser, les envoyer en l'air pour enchaîner avec un combo. Pour briser la jauge d'un ennemi, vous devez l'attaquer sans relâche. Si vous l'ignorez à un certain moment, celle-ci se réinitialisera. Intéressant. Il faut tout faut mettre toutes les attaques sur un ennemi. Au boulot. Bonjour monsieur Roquefort, je pense que vous m'avez envoyé ceci sans faire exprès. Calais, regarde un peu les enfants dont je m'occupe. C'est vrai que des conversations entre Roquefort et Erika. J'espère pour toi qu'on va atteindre le quota du dernier trimestre. Erika s'en occupe. Tu veux bien arrêter de crier? La touche verrouille mage est cassée. Erika travaille fort. Erika écrit fort. Travaille aussi fort que tu veux. Si ces unités ne sont pas sur le marché, les prévisions trimestrielles vont s'effondrer. Alors dis à Zanzo de se calmer un peu au niveau design. C'est pas le design qui pose problème, c'est le temps de production. Reste tranquille. Erika a mis toute la chaîne Armstrong en service en 17 heures. Pendant que tu comptes tes biftons, Erika écrase ses rivets. Écrase pas les rivets. Bref, je verrai les résultats. Je dirais pas ça, juste que je trouve que c'est la meilleure personne de cette civilisation. Mais bon, la fête est finie. Ok, j'ai les rêves, c'est pas mal. J'avoue que tu les as tous placés. T'es plutôt fort. Concentrez-vous bien. Hé, hey, n'abandonnez pas. Attendez, encore une fois. Pas capté. Celui-là. Hé, hey, n'abandonnez pas. Quel est le truc qu'il faut que je fasse à la fin? Ready.
J'en attendais pas moins. On y est presque. Du coup, je me demande si en mode pas streamer, il y a d'autres musiques. Ils ont tout prévu. Ah ouais ? Eh ben, j'espère qu'ils ont prévu assez. J'ai le sentiment que les unités Oscar sont négligées. La qualité était la priorité lorsque nous étions en charge du sécu. Mais on cherchait surtout à réparer quand c'était possible. Une bosse, une griffure, on remplace, c'est pas grave. Une lumière qui s'allume pas, on la répare. Maintenant, avec un mille, je sais pas, c'est tout ou rien. À la moindre égratignure, c'est le bâtiment entier qui risque d'y passer. Le boulot de contrôle qualité, c'est inspecté. On n'a plus besoin de lance-roquettes. Décidément, ça a bien changé ici. Bah je vais te dire, j'ai jamais vu le film. Est-ce que tu y crois ou pas ? J'ai jamais vu le film. Si t'as un follow, je peux comprendre. Non mais il y a plein de classiques que j'ai pas vu, mec. C'est hallucinant. Quand ça s'arrête un tu peu vois, la musique. J'en étais sûr. Tout baigne. Tu stresses trop. Elle est forte. C'est la pose de la prod. Eka. Oh non. Moi, c'est qui s'en fout. Te voilà, petit bonhomme. On embête l'équipe de Eka. Sa production est pire que tout. Ouais. Elle gueule même à l'oral. Hein. Historique parfait, sans anomalie. Ta sécurité voulait me faire la peau. Projet Armstrong, CLUF. En tout petit. Il faut tout lire, morveux. On traite les anomalies. On traite ? On tue, ouais.
Reka, choisis pas les mots. Je laisse ça au bigle du marketing. Enfin bref, merci d'avoir été assez stupide pour venir ici. Mais Reka ne doit pas se salir les mains. Je te l'avais dit. Bienvenue au contrôle des anomalies, petit bonhomme. Niveau qualité, on a tous au contrôle. Ah, c'est un son original. J'aime les anomalies. C'est bien. J'aime le goût qu'elles ont. Ça, c'est pas bien. Niveau d'inspection, 1 million. Viens par ici, mon grand. Façon de dire rappeler, mais ok. Ah, je suis tombé. Je comprends pas trop, faut le taper. Oh non, j'ai utilisé mon truc pile quand... Enfin, je peux m'en servir. Essaye d'esquiver ça. J'enlève pas beaucoup de vie, hein. Je lance toujours mal mon combo. Où est-ce qu'il était ? Tu peux regagner de la vie ou... Go!
dire, appelez, mais ok. Bien joué, Chai. Continue. Bon, en fait, j'ai trop envie d'être dans le rythme, mais faut pas être que dans le rythme. Oh, mais c'est super dur, hein. Ah, salut Rami. C'était un sacré morceau. Mais toute chanson a une fin. Ah ouais, donc ça c'est un niveau ça. Putain. Suis-moi. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici. Je veux pas t'entendre, compris? Ça va, ça va. Trop stylé la petite lunette. Tu as peur? Hein? Mais non. Mais bon, il fait noir, quoi. Y a pas d'araignée ici, au moins. Genre, araignée robot. Pas d'araignée robot, par pitié. On y est ? Par là.
robot? Oh. Piège à corde? Tu sors d'où? D'un dessin animé? Alors comme ça, c'est là que tout se passe, hein? Je m'appelle Peppermint. Hé hey, cette voix, c'est toi le chat. 808 me sert d'yeux et d'oreilles ici. Mais on dirait qu'elle t'apprécie un peu trop. Attends, j'ai plus rien, moi. Debout, fainéant. On a du boulot qui nous attend. Bon, 808 m'a dit que tu avais dit que tu allais m'aider. Oui, mais avant, tu vas enquêter sur Spectra avec moi. Je sais même pas ce que c'est. Oui, évidemment. On est sur du secret défense. Donc, sérieux? Oui, on veut dévoiler leur magouille. On est une petite équipe, mais... Du genre, juste toi et ton chat? Je vaux mieux que ça. Ça dit Rockstar, là. Tu sais jouer de la guitare, au moins? Eh ben, je... Que du blabla, donc. Écoute, ce campus mélange couloir, ascenseur et impasse blindée de garde. Tu sortiras jamais d'ici sans moi. Ça va, jusque-là, c'était plutôt... Mal parti, et encore, j'étais là. Si tu m'aides, je te promets de t'aider à quitter l'île Vandelay. Ok, si tu le dis... Parfait. Écoutez, d'abord, on fera une pause entre les missions. Parlez à vos acolytes. Détendez-vous ou admirez simplement la déco. De nouveaux points d'intérêt se débloqueront à mesure que vous progressez dans l'aventure. Donc pensez à y revenir de temps en temps. Approchez-vous de votre partenaire pour discuter avec eux et savoir ce qu'ils peuvent faire avec vous, pour vous. Lorsque vous êtes prêt pour la mission suivante, asseyez-vous sur le canapé pour faire avancer l'histoire. Rendez-vous au fond de la planque pour consulter la liste des défis et des récompenses du Panthéon. C'est ça, votre planque. Petite équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tout ce qu'on a. Et on a quand même un canapé. C'est le grand luxe, je vois. Ah, au fait, je pourrais peut-être t'aider au niveau amélioration si tu trouves des pièces de rechange. Parlons un peu avant de sortir. Réussissez des défis pour gagner des récompenses et peindre la fresque de vos aventures. Plus l'histoire avance, plus vous débloquerez des défis à relever. Passez régulièrement vérifier ce que vous avez gagné et ce qui est disponible. Éclatez-les tous. Faut que je fasse quoi? C'est le boss de la piste 1 sans subir le moindre dégât. Wow, ça, je vais pas y arriver. Pierre Zélon pour esquiver un rythme. Éliminer les ennemis, ok. Je vais utiliser que 30. Ok. Tech Vandelay, mais je pourrais te donner un peu plus de peps avec quelques pièces. Plus de peps? Tu peux préciser? J'ai préparé une boutique pour toi. Tu peux apprendre de nouvelles attaques ici. Il te suffit de les acheter. Là, tu peux apprendre de nouvelles attaques spéciales. Chaque attaque requiert une certaine quantité de réverb. Donc, vérifie ta jauge avant d'en acheter. De plus, tu ne peux pas utiliser toutes les attaques spéciales. Il faut les équiper.
Je vois. Choisis l'attaque que tu veux et t'es paré. Et enfin, voilà des objets pour les améliorations permanentes. Et ça ? J'ai une idée qui m'est venue comme ça. Mais c'est encore à l'état de prototype. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec du matériel. Ne me sous-estime pas, je suis capable de bien plus que ça. Bien, voyons un peu ce que t'as. Une jauge de vie Wendelec complète est compatible avec les pieds du projet Armstrong. Trop super. Hop là, ça part. Un vieux électrique, nouvelle génération. Le Wendelec créé à partir de tubes électroniques. Produit un choc et de bonnes vibes pour ajouter un segment à votre jauge de réverb maximum. Réservoir de vie. Rester hydraté, c'est la clé. Vendu avec son application dédiée. Ce réservoir stocke l'énergie pour vous permettre de recharger automatiquement une jauge de vie quand celle-ci arrive à zéro. Récupérer de la vie quand la santé est au maximum alimente le réservoir. Une seule attaque spéciale ne suffit pas. L'amélioration vous permet d'équiper deux attaques spéciales et d'en changer en pleine action. Une fois équipé, appuyez sur O à n'importe quel moment pour changer les attaques spéciales A. Vérifiez. Ok. Vous êtes dans la panade, vous pouvez compter sur boisson énergisante pour vous requinquer dans le feu du combat. C'est bien ça. C'est bien ça. Type d'action. Requiert une combinaison de boutons au début de l'attaque. Vous accumulez l'énergie en rythme pour taillader un ennemi. Si vous finissez un coup en rythme, avec un coup en rythme, les taillettes partent droit devant pour des... Putain, je suis en train de m'endormir en parlant. Je suis fatigué. Bien, veillez bien à accumuler le maximum d'énergie pour réussir à infliger le plus de dégâts possible. Un combat au sol entraîne un combat arrière. Mais non. X, Y, X, X, X. Oh, je tue. XX, pause, XXX. Pour ça, j'ai gardé un peu de sous. T'aurais très bien pu me laisser seul là-bas. Pourquoi tu m'as aidé ? À part sauver 808. La façon dont tu as battu la sécurité, c'était assez impressionnant. Donc tu pensais pouvoir m'utiliser ? Bah, je sais pas si on peut dire ça. Si, je pense. C'est plus compliqué que... À vrai dire, je m'en fiche. Tant que tu m'aides à quitter cette île... Alors, cette 808, tu l'as créée toi-même ? À la base, je partais sur un drone, mais je me suis dit que personne ne soupçonnerait un chat. C'est vrai qu'un animal métallique qui miaule, c'est pas suspect du tout. Oh. L'avantage, c'est que ça fait un peu de compagnie. Ça doit pas être toujours la fête ici. J'ai l'habitude. Une aqueuse solitaire au passé mystérieux. Pas cliché du tout. Dit l'éternel tir au flanc, qui n'attendait que le feu des projecteurs. C'est assez vide ici. T'es pas trop déco, hein ? Je me concentre sur l'essentiel, ce dont j'ai besoin. Dommage, il y a du potentiel. Quelques posters, une chaîne hi-fi et une batterie dans un coin, et voilà. C'est une base d'opération, pas un squat. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, tu seras le responsable Feng Shui, si tu veux. Je te conseille d'essayer tes nouvelles techniques, au cas où. Faudrait pas que t'exploses non plus. Hein, quoi ? Je plaisante. Je vais préparer une salle pour t'entraîner. Préviens-moi quand tu voudras m'épater avec un truc cool. C'était quoi déjà le nouveau combo que j'ai eu là ? Liste des combos.
Ah, c'était juste ça. Que les combos ça marche pas de fou X, Y, Y. Ok, donc là ça continue. Ok. Bon bah les patounes. Chouettos. Trop bien. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Hâte de continuer. Demain on va jouer un peu à Power Wash Simulator DLC Tomb Raider avec Bobo. Puis on reprendra ça. Bah peut-être que je jouerai avant Bobo, puisque je suis off, donc je verrai, ça dépend. Et puis sinon on jouera vendredi, je sais pas, ah non, vendredi je pourrais pas. Bon bah on jouera quand on jouera. Bon bah les patounes, merci d'avoir suivi, merci. Ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à nous rejoindre sur Twitch en direct. Et puis bah chou, hein. Trop bien ce jeu, j'adorais.